Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'ouverture de ce coffret Astronel V. J'ai beaucoup réfléchi, est-ce que j'allais le prendre? Et puis enfin je me suis décidé, je me suis dit allez, c'est l'occasion quand même. Je l'ai pas ouvert sur la chaîne et c'est une première donc sur la chaîne. On est sur du Astronel V qui a fait son apparition en ultra rare sur la série 4 Voltage Éclatant. Voilà, donc coffret qui est plutôt standard. On a deux boosters de la série de Voltage Éclatant et on a certainement du recyclage. Là je me demande si c'est pas du Soleil et Lune. On va découvrir ça ensemble, la Jumbo. Alors il faut savoir que c'est un coffret je dirais exclusif de chez Micromania. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on va s'ouvrir ça. Franchement, la journée qui fait plaisir, la journée festive du réveillon. Alors de la Saint-Sylvestre, voilà, c'est comme ça qu'on dit, Saint-Sylvestre, réveillon du jour de l'an. Allez, c'est parti, est-ce que je vais être chanceux pour ce dernier jour de l'année? Franchement, j'espère. Allez, on met ça de côté, la carte, elle est là, donc on est sur du Astronel V. D'ailleurs, j'ai pas d'illustration d'Astronel en carte ultra rare. Voilà, on va dire que c'est ma première. Voilà, j'en suis pas fan, donc c'est pas très grave pour moi hein, si j'ai pas l'ultra rare de la série Voltage Éclatant. Moi, les cartes qui me plaisent de cette série sont les Amazing Rares. Moi, je trouve ça vraiment bien, leur idée. Ils innovent vraiment souvent et je trouve ça super chouette. Allez, on est là, Astronel V. On a la carte promo. Voilà. Et enfin, les 4 boosters, on a du Clash des Rebelles. Et oui, et j'avais bien raison, le Soleil et Lune, il est bien présent. Clash des Rebelles, tiens, c'est une surprise. Je pensais pas. Je pensais qu'on allait avoir 2 boosters Soleil et Lune. Ben non, on a quand même du Clash des Rebelles. C'est plutôt cool. Je crois que... Oui, j'en ai ouvert un petit peu, mais... oui, j'en ai ouvert beaucoup. Parce qu'il y avait les duo packs, voilà, j'avais oublié ça. Donc j'en ai ouvert pas mal. Allez, on va commencer par Oratoria avec Soleil et Lune. Allez, c'est parti, on continue les ouvertures pour aujourd'hui. Hein, je vous avais promis pas mal de vidéos. Ben voilà, hein, ces choses faites, hein, tout simplement. Allez, on y va. Est-ce que je vais pouvoir avoir quelque chose de sympa? Franchement, j'aimerais bien pour cette fin d'année. L'année suivante va être incroyable. Allez, on y va. Hop, on met ça de côté. Les sleeves sont sortis au cas où. Si on met la main sur une gold ou sur une rainbow, hein. Escroco, Bekip, Multiple Exp, Geolis, Snowball, Carvana, Nosferap, au taquin Coquias, et on aura un Chelours en rare. Premier booster, on peut dire le fail. Hein. Franchement, Coquias en reverse et Chelours en rare. Voilà. Allez, là on est sur Clash des Rebelles, là c'est du sérieux. Là on peut dire que c'est du lourd. Hein. Clash des Rebelles, on est sur de la très très belle série. Moi j'ai adoré. Clash des Rebelles, j'ai adoré. Ténèbres embrasées. J'ai été plutôt mitigé pour 3.5, La Voix du Maître, et après Voltage Éclatant, très très belle. Très très belle série. Pijaco, Desperaptil, Barloche, Rond Gourmand, Verpomme, on a une full art. C'est top! Ah, ça fait plaisir. Triton, Damien Miasme, Charmilly. On a une rarive. Salars NV. Et je crois pas l'avoir. Quoi que je sais pas. Elle est superbe. Franchement, Salars NV en full art. Superbe. Je sais plus. J'ai un doute quand même. Faut que j'aille vérifier. J'irai vérifier. Mais je crois. Je crois pas. En tous les cas, très content. Ben voilà. Hein. J'ai bien fait de prendre le coffret Astronel, hein, tout simplement. Voilà, ça fait plaisir. Il nous reste encore 2 boosters. Et là, peut-être une Amazing Rare. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça serait juste incroyable. Voilà. Belle ouverture pour la fin de l'année, comme ça. Ça serait au top. Allez, on met ça de côté. Et on continue. Les boosters Pokémon. Allez, énergie, arôme, mateloutre, Faiza, très très belle carte. Chauve-souris, 9-9,
Chuchmure, les magmas, et on a quelque chose, mais c'est incroyable. Grand boom, mais oh, farampé. Et ben décidément, on les aligne, les cartes ultra rares pour cette fin d'année. Incroyable, incroyable coffret, magnifique, franchement, farampe, moi j'adore. D'habitude, il a une, enfin, on va dire, ses illustrations sont plus tranquilles, plus pépères. Là, je le trouve très agressif comme ça, c'est super joli. Allez, dernier booster, est-ce que le dernier booster va nous réserver quelque chose? Ça serait juste incroyable. Incroyable. Allez, hop, on ouvre ça comme ça. Ça serait incroyable, franchement. Déjà là, le tirage est fou. Il est fou, le tirage. Allez, 1, 2, 3, 4. Et on y va. Allez, encore une petite ultra. Metang. Alistair. Casque brut. Miamiasme. Evoli. Magnifique Evoli. J'adore. Cabriolène. Crémy. Et malheureusement, non. Zibébron. On a Grenipio en rive. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Waouh, et une holo, et quelle holo, Elector, magnifique, bah décidément, quelle ouverture, on peut pas rêver mieux, hein, franchement, superbe ouverture, on aura eu deux ultra rares, je vais vous les montrer quand même, parce que ça fait vraiment super plaisir, avec Salarzen V, Faramp V, mais aussi Elector en holographique. Voilà, j'espère en tous les cas que cette ouverture vous aura plu. Moi, en tous les cas, j'étais super content de vous la proposer sur la chaîne. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, pourquoi pas, on verra. Hein, suivant voilà, mes envies. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.